Ça, ça y est, je rigole. Bien. Le bonjour du matin. Il est 8h moins 10. Et on va faire une rando avant l'orage. Alors, on est à La Chaudière, direction les Trois Becs. Mais pas le départ du col de La Chaudière, attention. Il y a une voiture là. On va monter au pas de la Picourère, un sentier raide. Et attention. Dans ce cadrage de merde. Voilà. Hein? C'est marqué. On se renseigne avant de faire une rando. Hein? Bon, on y va, hein? Allez, c'est parti. Une petite heure de montée avec 500 dB+, on arrive bientôt au passage de la cour de la le passage de la Picourère.
Le bouquetin, t'es prêt? On y va. Allez, hop! De toute façon, c'était pas le chemin. Hein. Bien, le pas de la Picourère à 1445 mètres d'altitude. Derrière moi, nous avons Rochecourbe. Voilà. Et dans l'autre derrière moi, nous avons le Signal. Le Veillon, on ne le voit pas d'ici. Bien, on va aller direction le pas de la Laveuse par le Rochecourbe. Et puis après, on avisera parce qu'il y a un orage de prévu à midi. Il n'y a que des orages en ce moment. Allez, c'est parti. Il est sympa ce sentier pour monter au pas de la Picourère. Bon, bien entendu, c'est un sentier difficile, hein. Par temps humide, ça glisse bien, comme aujourd'hui. Les trois becs, c'est interdit aux chiens à partir du 15 juin au 15 octobre. On est le 2 ou le 3 juin, je ne sais plus. Oui, je ne sais jamais quel jour on est, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai l'excuse, je travaille de nuit, donc ça me... Puis je regarde jamais les jours, donc je m'en fous en fait. Ah, et le plateau d'Ambel, c'est du 1er juin au 31 octobre, ou 30 octobre, je ne sais pas si c'est un 31 ou un 30. Si jamais tu cherches où randonner avec ton chien, dans le Vercors, j'ai trouvé un blog d'une personne, je te mettrai le lien en description, qui te note toutes les zones. Les zones interdites, les zones estives, etc. Très bien. Il n'y a pas que le Vercors en plus. Plusieurs d'autres massifs. Toujours se renseigner. On n'y va pas à l'arrache comme ça en rando. Ça grimpe, hein. Allez, il y a un bus qui descend. Je vais ranger la caméra. Rochecourbe à 1545 mètres d'altitude. Petit panorama. Je te montre ça de suite. Petite mer de nuages. Bon, il faut éviter de se casser la figure. Grosse mer de nuages. En face, la forêt dessous. Donc, le Signal et le Doigt et le Veillou. T'as trouvé le bâton? Oh là là! Oh là là! Ah ouais, ouais! Ah. Alors, que penses-tu de cette rando? Tiens, tu parles dans le micro? Attends.
Tu attends. T'es prête? Ceci est un chien malheureux. Le pas de la laveuse à 1376 mètres d'altitude. Allez, on va voir ça. Une grotte. La mer de nuages avec au-dessus des nuages d'orage. En face, on a la montagne de Cuspo avec le Grand Delma. Bien, bien. Du coup, on va pas faire le veillou et le signal, on passera en dessous. Il y a trop de monde. Thank you.
bien. Mais nous revoilà à la Picourère, prêts pour redescendre. On a fait 10 km pour l'instant, avec 1000 de dénivelé positif. Il nous reste quoi, une heure de descente, je dirais, facile. Voilà, la petite boucle est bouclée. On a fait quoi, 12 km avec du 1000 de D+, en 5 heures. La descente, je déteste les descentes. Ça fait mal aux pieds. Donc je l'ai descendu en courant. Voilà. Bien. Pense à t'hydrater pendant la rando avec de l'eau. Hein. Après la rando, on s'hydrate avec des bulles. N'hésite pas à faire randonner les algorithmes de YouTube en mettant un pouce en l'air, un commentaire et en partageant la vidéo. Bien, eh bien, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !